Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve78. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, le test de WRC de Codemaster, édité par Electronic Arts. Alors, ce n'est pas moi qui fera le test, mais l'ami Emmanuel, pour la simple et bonne raison que l'ami Emmanuel est un passionné et surtout un expert des jeux de voiture. Et pour le coup, il a fini le jeu avec les 1000 G. Donc, d'avoir les 1000 points, il est beaucoup plus légitime que moi pour vous parler du jeu. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé, moi, avant son test. Alors, moi, de ce que j'ai joué à ce WRC, je le trouve très bon. Il a un contenu gargantuesque. Il a vraiment un gameplay qui est vraiment aux petits oignons, extrêmement bien pensé. Et techniquement parlant, il reste très joli. Même si, effectivement, je confirme ce qu'il dira dans le test, il y a quelques points qui malheureusement sont à revoir. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon titre. Et je voulais remercier encore Angelo d'Electronic Arts qui m'avait fourni la clé, tout simplement. Aujourd'hui, par contre, le test se fera par Emmanuel. Je précise que Emmanuel a acheté le jeu par ses propres moyens quand même. Hein. Non, je le précise quand même. Mais lorsque j'ai fait mon gameplay découverte de WRC, ça a motivé Emmanuel et du coup, et il s'était procuré le jeu. Et lorsqu'il a fini, je lui ai dit, bah, écoute, tu veux bien faire le test parce que je pense que tu es meilleur que moi. Et rien de mieux qu'une personne ayant eu les 1000 G et ayant squatté le jeu, ayant joué plus que moi, pour faire le test, pour être légitime. J'espère que ça vous plaira. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, avec le Fraté, on a décidé de vous présenter le jeu de simulation de rallye eSport WRC qui a été développé par Codemaster et édité par EA. Donc, ce jeu de rallye, comment il se présente? Déjà, on revient un peu aux vraies simulations de rallye. Donc, on abandonne un peu le côté dirt, le côté un peu arcade, à part évidemment la référence qui est Dirt 2.0, qui était vraiment une référence en la matière au niveau des jeux de rallye, une vraie simulation. Là, on est revenu vraiment sur de la très très bonne simulation. Alors, je vais d'abord vous parler des différents modes de jeu, parce que ce jeu est vraiment ultra complet. Pour le coup, vous avez le mode moment fort. Alors ça, vous savez, dans les jeux de voiture ou des fois dans d'autres styles de jeux, vous avez des moments de grandes années de courses de rallye, des Vatanen, des Carlos Sainz. Donc ça reprend un peu des courses d'antan, des courses de légende, qui changent toutes les semaines à des rallyes différents, à des endroits différents. Donc toutes les semaines, c'est remis à jour. Et vous avez médaille d'or, d'argent, de bronze ou rien du tout selon les objectifs que vous allez remplir pendant justement ces différents moments forts. Donc c'est assez intéressant, très difficile sur certains, un peu déroutant même des fois parce que vous faites zéro erreur, vous dites bon, premier intermédiaire, je vais être bien, je vais être premier ou deuxième maximum. Et puis non, vous vous retrouvez à la 9e, 10e, 11e place, alors vous faites zéro erreur, donc des fois c'est un peu déroutant. Mais en tout cas, ça vous emmène quelque chose de sympa dans le domaine des jeux de voiture de rallye. En fait, ça vous pousse à vous sublimer pour aller chercher la médaille d'or. Donc ça, déjà un très bon point pour ça. On a ensuite le mode championnat classique, donc vous faites un championnat avec les classes de voitures que vous voulez. Alors après, je vais vous parler des classes de voitures et des rallyes, des spéciales, parce que c'est quand même gargantuesque, il faut bien se le dire. Vous avez donc, je vous disais, le mode championnat, où vous participez à un championnat, vous pouvez choisir parmi 18 classes de voitures différentes, ce qui représente quand même 75 voitures. C'est pas rien, différentes, hein. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Vous avez le mode, bon, école, enfin comme je dis école, c'est pour apprendre un peu les bases du jeu de rallye, les bases de ce jeu, comment il se comporte et sur quelle commande il faut appuyer pour y jouer. Vous avez l'éditeur de voiture, alors ça c'est assez sympa.
on vous propose un portefeuille d'argent et vous faites la voiture que vous voulez avec les pièces que vous voulez, la décoration que vous voulez. Et ensuite, cette voiture, vous pourrez l'intégrer dans le mode championnat, dans vos modes de course en ligne. Je ne crois pas dans le mode carrière, il m'a pas semblé. Non, d'ailleurs, c'est logique. Sauf si vous faites une carrière existante, enfin une carrière classique. Si vous voulez démarrer au plus bas, non, vous ne pouvez pas l'importer. Mais votre éditeur de voitures, vos voitures, vous pouvez les importer dans tous les autres modes de jeu. Votre propre voiture avec votre propre déco, je trouve ça super bien. Et évidemment, pour terminer, bah alors vous avez le mode multijoueur, mais ça je vais vite passer parce que il est très bien, mais c'est pas ce qui retient le plus mon attention. Mais il est sympa quand même, hein. J'ai fait pas mal de courses, c'est sympathique. Il y a un niveau qui est assez relevé, c'est bien. C'est agréable de faire du multijoueur sur ce WRC. Par contre, le mode carrière, alors vous connaissez Codemaster, l'expérience qu'ils ont dans les jeux de voiture. Donc là, le mode carrière, il est vraiment très complet. Vous avez de quoi vous amuser pendant un long moment. Vous devez gérer vos finances, vous devez gérer votre personnel. Un peu à l'image de ce qu'on fait, de ce que font Codemaster avec les jeux de Formule 1, les Formula One qui sont vraiment super complets. Donc là, c'est pareil, gestion du management, gestion des finances, des courses sur invitation pour gagner des points ensuite qui vous servent à acheter des meilleurs mécanos, à pouvoir développer vos voitures. Voilà, c'est vraiment. Le mode carrière est vraiment génial. Donc c'est vrai que quand vous regardez tout ça, surtout la conduite, ce qui est très important, c'est vraiment de la simulation. Il est très difficile. Moi, je jouais avec les dégâts réels. Donc, permettez-moi de vous dire que bah, quand vous faites des courses, vous serrez les fesses, hein, parce que à la moindre écartade, si malheureusement votre voiture a percuté un arbre de plein fouet assez fort ou un rocher, vous êtes mal pour finir la course. Donc, vraiment, une vraie simulation de jeu de rallye. Ça a été une agréable surprise pour moi. Je dois reconnaître que vraiment je ne m'attendais pas à un aussi bon jeu. Alors, pour les points positifs, là pour l'instant je vous ai parlé de tout ça. Donc il y a 18 rallyes, ce qui fait un total de 216 spéciales. Attention, il y a des spéciales qui se ressemblent, hein, évidemment. On rajoute juste un peu 1 km et donc ça nous fait quasiment le même tracé. Mais c'est à noter quand même parce que 216 spéciales, 18 rallyes. 18 classes de voitures qui font un total de 75 voitures, un mode carrière super complet, un mode championnat, un mode multijoueur, un mode moment fort, éditeur de voitures. On peut difficilement faire mieux dans un jeu de rallye, honnêtement. Et au niveau de la conduite, on est vraiment sur la simulation. L'ami Nico, il joue avec le volant, m'a dit que ça. Avec le volant, en tout cas, c'était super bien. C'était super sympa. Par contre, lui et moi, on s'est un peu parlé justement pour avoir le côté de l'un et de l'autre avec Steady aussi pour savoir si l'un et l'autre avaient les mêmes choses. J'ai parfois dans certaines courses un petit tearing au milieu de l'écran. Ça fait comme un trait un peu flou qui est assez perturbant, je dois le dire, parfois. Ça dépend des circuits. Des fois, vous ne l'avez pas du tout. Des fois, vous l'avez, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure quelques secondes, mais bon. C'est pas très joli à voir à l'écran. Mais surtout, je dirais le défaut, c'est pas un grand défaut, hein. C'est un détail, on va dire. Mais par exemple, quand vous faites une spéciale, vous avez. Alors, si vous partez en fin de rallye, donc parmi les favoris, hein, on sait toujours que les favoris partent à la fin. Là, il n'y a pas de problème. Vous avez le suivi de votre course. Vous savez où vous en êtes à chaque intermédiaire, si vous êtes premier, si vous êtes deuxième, si vous êtes cinquième, sixième. Vous savez où vous en êtes. Mais malheureusement, comme moi je joue en dégâts réels, avant de commencer une spéciale, vous faites toutes vos réparations, on vous fait partir malheureusement dans les premiers. Et malheureusement, c'est là que. Alors, est-ce que moi j'ai pas compris le système? Mais quand même, j'en ai fait beaucoup. Donc, à savoir d'ailleurs. Entre parenthèses, que j'ai terminé le jeu en ayant les 1000 G, hein, sur Xbox. Donc ça vous montre que j'ai fait
que j'ai fait le jeu vraiment complet de chez complet. Alors justement, ce petit souci-là, vous démarrez dans les premières positions et malheureusement, vous n'aurez aucune référence pendant votre course. Donc vous allez faire vos chronos, par contre, vous les verrez à chaque intermédiaire. Mais comme vous êtes dans les premiers, voire même le premier, à mon avis, il doit y avoir un truc qui se fait là-dessus. Vous ne connaissez pas l'évolution de votre course. Vous ne savez pas si vous êtes premier, si vous êtes deuxième. Alors ça me l'a fait plusieurs fois, c'est un peu embêtant. Parce que du coup, vous nagez à vue, hein, vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Et c'est que à la fin de la course que vous verrez votre classement. Donc attention, quand vous faites des réparations un peu trop importantes de votre véhicule et que vous partez dans une position on va dire, qui est pas optimale, vous verrez pas vous saurez pas où vous en êtes en fait. Voilà, tout simplement, vous saurez pas où vous en êtes. Donc voilà pour ce très bon jeu de rallye. Vraiment, alors évidemment, les maîtres en la matière sont Dirt Rally 2.0, Richard Burns Rally et les Colin McRae, certains de l'époque. Donc on n'en est pas quand même à ce niveau-là. Les graphismes sont propres, quoique parfois, quand vous passez dans certains villages, les maisons sont pas très jolies, je dois reconnaître. Alors par contre, la météo est magnifique. Les couchers de soleil, les levers de soleil, la pluie, la neige, c'est super bien fait. J'ai un autre défaut que je dois vous signaler quand même. Les décos sont fixes. En fait, tout ce que vous avez autour de vous, les arbres, même le public, bon, le public, on voit que c'est vraiment les bottes d'il y a 20 ans dans le jeu vidéo. Ça bouge pas, c'est quasiment fixe. Mais alors, le pire, c'est parfois des courses, vous faites des courses entières, par exemple dans la neige, en Suède, où vous n'avez pas un sapin qui bouge. Vous n'avez pas une branche, une feuille qui bouge. C'est figé, en fait. On a un décor qui est figé. Je trouve ça dommage. Dans des jeux de rallye, on aimerait bien que ça vive un peu plus, quitte à voir, vous savez, comme on est en Suède, je sais pas, voir des rennes sur le bord de la route, des cerfs. C'est con, hein, comme truc, mais des fois, ça apporte un petit plus, vous voyez, du public qui soit un peu différent de 100 mètres à 100 mètres. Et parfois, d'ailleurs, vous avez des grandes portions de spécial où vous n'avez personne, ni à droite, ni à gauche. Le décor est figé, vous n'avez pas du tout de public. Et donc, vous avez l'impression que ce rallye, vous le faites tout seul. Hein. Vous ne dites pas, ouais, c'est un rallye du championnat du monde. Non, non, il n'y a personne. Donc, ça, c'est dommage. Il faudrait être, je pense, qu'ils travaillent là-dessus pour leur prochain jeu. En tout cas, c'est une très belle promesse. Moi, je lui mettrais la note de 15 sur 20. C'est une très bonne note pour un jeu de rallye parce que c'est vrai que pour moi, les jeux de rallye, ils partent avec un petit handicap par rapport au jeu de voiture classique. Mais en tout cas, c'est un bon 15 sur 20 et un grand encouragement à Codemaster et EA qui ont fait du super boulot et bravo à eux. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus, les gars. Ciao, ciao.